cantique nouveau. Seigneur, merci pour le soleil et la pluie, parce que ça aide les plantes. Je te remercie aussi pour toutes les bonnes choses que tu nous as faites. Envoie-nous l'Esprit Saint pour lire la Bible. Pardonne nos péchés. Nous te louons de toute notre force. De toute notre joie et de tout notre amour. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes riches dans cette église parce qu'on a tellement de talents. On peut louer en priant, en chantant, avec des danses. Donc merci pour ces belles contributions. Alors on a pas mal de chants pendant ce culte. Vous pouvez chanter assis et on vous demandera à la fin de vous lever pour les chants finaux. Alors on fait, ça c'était la partie louée et on continue.
notre programme. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tous les peuples les aiment. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Nous voulons vivre l'unité.
Merci à Alima qui a passé des heures cette semaine avec son fils Emmanuel pour nous préparer cette présentation. Et comme vous le voyez, l'église c'est vraiment l'endroit idéal pour venir partager des moments ensemble. Mais on a voulu savoir comment s'est passé le confinement pour les enfants et les jeunes de cette église. Et ça va, pendant le confinement, on a découvert quand même que ne pas pouvoir aller à l'église, c'était très différent et même un peu surprenant, surtout par rapport à Nils, parce que bon, moi, j'ai pas grandi dans l'église, donc j'ai pas connu la jeunesse adventiste et m'étant fait baptiser récemment, aller à l'église tous les sabbats, c'était nouveau, donc ça m'a beaucoup manqué. Et pour Nils, on s'est vite rendu compte que ça lui manquait beaucoup d'avoir la classe des chatons, les chants, ce moment vraiment spécial. Donc on a dû être créatif, mettre en place des petites choses comme un début de sabbat avec lui et puis raconter des histoires nous-mêmes de la Bible avec des jeux, réfléchir à des activités. C'était pas forcément facile et on a vraiment, moi en tout cas, je me suis vraiment rendu compte du côté précieux de ces classes qu'on a à l'église. Et heureusement, avant le confinement, je m'étais abonnée aux petits livrets qui sont faits d'école du sabbat pour les enfants. Et vraiment, ça m'a énormément aidée parce que je ne savais pas trop par où commencer ni quoi faire. Bon, après, j'ai réussi quand même à sortir un peu des fois de ça, prendre la Bible de Nils et puis faire des choses moi-même. Mais aujourd'hui encore, ça lui manque énormément. Bon, le côté social aussi, de faire église, d'être avec les enfants et voilà, c'est précieux, donc on s'est débrouillé, c'était sympa, mais ça remplace pas les activités de l'église. Mais c'est vrai que ça unit la famille, ça nous regroupe et ça nous unit, et ça a amené plein de belles choses aussi, voilà. Salut Marc. Salut. Est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu l'église à la maison pendant le confinement? Est-ce que tu as aimé? Comment tu te sens? En fait, j'ai pas aimé le confinement et j'ai eu le sentiment d'être emprisonnée. Et j'aime plutôt être à l'église que regarder sur la télé. Est-ce que l'école du sabbat t'a manqué, par exemple? Oui, ça m'a manqué beaucoup parce que j'aime bien l'église du sabbat et puis on raconte plein d'histoires de Jésus et c'est trop bien. Et moi, ça m'a manqué et j'aime pas. D'accord. Et tu serais content de repartir? Les lives mis en place par l'église pendant le confinement nous ont permis de rester connectés à distance. Je trouve que c'était une bonne idée de faire l'école du sabbat et les études bibliques pendant le confinement pour garder contact et ça m'a permis d'en apprendre davantage sur la Bible. Alors Marie, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as fait les sabbats pendant le confinement? Moi j'ai fait Zoom avec mes amis et j'ai joué dehors et... C'était bien le Zoom, c'était l'école du sabbat, c'est ça? Oui, et j'aime pas trop quand on parle sur Zoom. Je préfère mieux voir des personnes. Ok, donc t'as hâte de retourner à l'école du sabbat? Oui. À l'église. Bon, super. Et aussi passer des bons jours avec mes amis. Je vais à l'église de Colonge depuis environ décembre. Pendant ce confinement, aller à l'église, ça m'a beaucoup manqué parce que je n'avais plus les contacts humains que j'avais auparavant en m'y rendant. Beaucoup de temps pour en apprendre plus sur Dieu, sur sa parole, sur ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, sur ses actions et sur son caractère. Ce temps, je l'ai pris en étudiant la Bible, en écoutant des conférences, etc. Dieu est devenu vraiment essentiel à ma vie depuis que je le connais plus. Plus j'en apprends sur lui, plus je veux en apprendre. Et maintenant, je ne veux plus vivre ma vie sans lui, sans sa présence, ni son amour. Parce que avant, j'avais un vide en moi que je ne comprenais pas. Et depuis que je le connais plus et que je l'ai accepté, eh bien, ce vide, il a disparu. Pardon, j'ai oublié de vous prévenir avant. En fait, c'est une jeune fille qui vient à l'église. Et
qu'on ne peut pas révéler son identité. Donc j'ai oublié de vous prévenir de bien écouter. Donc c'était son témoignage vraiment profond qui montre comment pour elle ça a fait vraiment une vraie différence pour elle de partager des moments à l'église. Apprends-moi à faire volonté car tu es mon Dieu. Je veux apprendre, Seigneur. Et ici, on est béni parce qu'on a pas mal de classes d'école du sabbat. Et merci à tous ces animateurs et animatrices qui, chaque sabbat, sont là. Voilà, on a pour les enfants, des tout petits bébés jusqu'aux adultes. Et c'est vraiment un endroit idéal, un cadre idéal pour venir apprendre les histoires de la Bible, des versets bibliques, des chants. Et tout ça, même si on les prend séparément, ok, c'est des histoires, des chants, etc. Mais moi, en tout cas, personnellement, il y a encore des fois de ces histoires, de ces chants qui viennent dans ma tête, qui m'encouragent dans des moments précis. Donc merci à tous ceux qui sont là pour nous apprendre ces belles choses.
with all his might until you took his hand and held on tight. 'Cause you were there, you were there in the midst of danger's snare. You were there, you were there always. You were there when the hardest fight seemed so out of reach. Oh, you were there. You were always there. You were always there. Personne ne répond. Bizarre. Je ne vois que des yeux. Pas de bouche. Pas de nez.
Heureusement que les musiciens sont là. Nico ? Nico ? Mais il est où ? Nico ! Qu'est-ce qu'il y a, Maëva ? Eh ben, viens voir devant moi, il y a plein de têtes bizarres. Non, c'est pas possible, tu mens. Et puisque je te dis, d'habitude, il y a personne, mais là, il y a plein de monde. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, la vache, la famille ! Oh, ça va ou quoi ? Ah ouais, t'as raison, ils répondent pas trop, hein. Bah oui, t'as vu, hein. Peut-être c'est le confinement, ils ont perdu la langue. Non. Regarde, ils ont même pas de langue, ils ont même pas de visage. Ben oui, c'est ça, ils ont des masques. Oh ! Moi, j'en ai pas. Peut-être qu'il faudrait refaire notre entrée, parce que là, c'était pas très sympa. Ouais, comment ? Eh ben, on y va à trois. Attends, mais on est que deux. Bon, j'avais déjà fait cette blague, mais bon. Oui, la dernière fois. Peut-être qu'ils ont perdu la langue, peut-être qu'ils ont perdu aussi la mémoire. J'en sais rien. Allez, on y va. On compte sur vous pour compter avec nous, hein. Un, deux, trois. Bonjour tout le monde. Hola. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Nico. Oh là là. Bon, c'est un petit peu mieux quand même. Ben oui, hein. Bonjour Nico. Hola, qu'est-ce qu'il y a, Maëva ? Quelle langue tu parles ? I speak Spanish. In English. Ah, ma jambe elle est coincée. Hop là, voilà, c'est mieux. Ok, eh ben, en parlant de langage, je vais te raconter une histoire sur le langage. Moi je sais. Comment tu peux savoir ? De la musique. Ben c'est ça en plus. Ben ouais, je sais, je suis trop fort. Ok, donc voici mon histoire. Il y a bien longtemps, à l'époque du Moyen-Âge... Des châteaux forts, quoi ! C'est ça. En 1025... Il y a plus de 1000 ans ! Oui. Vivait un moine bénédictin... Bénédict quoi ? Bénédictin. Pourquoi pas Bénédict II pendant que tu y es ? Tu sais, si tu m'interromps tout le temps, je ne vais pas avancer dans notre histoire. Oui, il y a bien longtemps. Oui, non, c'est moi qui raconte. Il y a bien longtemps. Arrête. Bah vas-y, raconte. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, ouais, au Moyen-Âge. À l'époque des châteaux forts. En 1025. Il y a plus de 1000 ans. Ouh là là, vivait un moine bénédictin. Et pas Bénédict II. Du nom de Guido d'Arezzo. Là, pas trop. Hein. Il en avait tellement marre d'entendre ses amis chanter faux. Un peu comme toi. Oh, qu'il a réfléchi à une méthode pour apprendre les notes de musique. Rien que ça. Oui, en les nommant en faisant des chansons. Je t'explique. Explique-moi. Le premier chant en latin disait Resonare fibris, mira gestorum. Famulituorum, après solve puloti, labi reatum. Tu comprends ? À tes souhaits. Je t'explique. Explique-moi, je suis tout ouïe. En fait, je vous explique à vous tous. Je bois tes paroles. Comme il augmentait d'un ton à chaque vers, c'est-à-dire à chaque phrase, tu vois, là j'essaye de t'expliquer. Il prenait la première syllabe de chaque mot, c'est-à-dire résonare fibris. Tu entends quoi au début ? Résonare ? Non, la première syllabe. Ré. Oh, ré comme ré. Voilà, t'as compris. Après, mira gestorum. Comme mi. Bravo. Famuli tuorum. Comme fa. Voilà, t'as compris. Alors, quand c'était par exemple un do, eh bien, il chantait. Do. T'es sûr que c'est un do, ça ? Bah oui. Moi, je suis pas trop sûre. Hein. Bon, bah, alors, j'essaye un autre. Do. Il a l'air un peu malade, là, ton do. Peut-être qu'il faut demander alors aux musiciens. Là-bas, je vois une jolie blonde. Comme moi ! Je suis bleu. Eh oui. Alors, est-ce que tu peux nous jouer un do, s'il te plaît ? Là, il est pas malade, son dos, lui. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, ben, après, on va demander à... Tu sais comment il s'appelle ?
le petit garçon blond aussi comme moi. Oui, comment il s'appelle? Ethan. Mais comment tu sais? C'est mon pote. Ok, bon bah Ethan, joue la note au-dessus du dos, s'il te plaît. Ouais. Et après ré, y a quoi, Manou? Mi. Oh là. T'as vu? Et puis maintenant, je vais demander à Emmanuel le fa. D'accord. Et alors? Eh ben, attends. Ils vont jouer l'un après l'autre, do, ré, mi, fa, et puis ils vont descendre. C'est déjà un petit peu plus joli. Attends, je peux leur demander quelque chose, moi aussi? Si tu veux. Est-ce que vous pouvez monter en croche et descendre en noir? C'est un peu compliqué ou ça va? Waouh, t'as vu? Ça sonne déjà beaucoup mieux. Ça me donne de la joie dans le cœur. Et si on mettait les paroles dessus? Bah ouais, carrément. Et puis tous les musiciens, ils vont jouer aussi. Allez, c'est parti. Vas-y, on recommence. Sois dans mon cœur. Où ça? Sois dans mon cœur. Il y a de la joie. Sois dans mon cœur. Où ça? Grâce au Seigneur. Qui fait ça? Mais c'est merveilleux de se réveiller en musique. Surtout que ce n'était pas de la cacophonie. De la cacacoquoi? C'est quoi? C'était merveilleux de se réveiller avec cette belle musique. Ce n'était pas de la cacophonie. La cacophonie? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une symphonie. Ah, c'était une blague. Oh, 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 un petit peu rigolo quand même. J'aime entendre la couleur de chaque musique. Les notes sont uniques, différentes, mais réunies. Comme une belle symphonie. Comme nous, quoi. C'est-à-dire comme nous? Oui, oui. Oh, des grands dans la salle, derrière leurs écrans, et chacun de nous, comme une note de musique, créée par Dieu, unique, différent, mais ensemble, nous jouons une belle symphonie. Ah, d'accord, je comprends mieux. Quel poète, ce papy. Bon, ben, je crois qu'il est temps d'y aller, hein. On a fini l'histoire, déjà. Ben oui. Oh, bon, d'accord. Ok, et ben... On leur dit au revoir. Ben oui, à bientôt. Au revoir. Nana. Bye, bye. Tchuss. Hasta la vista. Ha, ha, ha. Il y a de la joie dans mon cœur. Où ça? Ben, je vous invite à prendre votre Bible... 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 5. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. C'est vrai que l'Église devrait être l'endroit par excellence pour que nous jeunes puissent découvrir leurs dons. Parce que quand nous sommes nés, et au long de notre vie, on va découvrir les dons que Dieu
met en nous. Et parfois, ce n'est pas si simple si nous n'avons pas de la place pour expérimenter, tester de nouvelles choses. Je me rappelle que quand j'avais 15 ans, on m'avait donné cette opportunité de prêcher. Alors, pour moi, c'était normal. J'avais un message dans mon cœur que je voulais partager avec l'Église. Mais finalement, ce qui a fait en sorte que je puisse faire cette expérience, c'est que l'Église a accepté de me donner cette place, même si ce n'était pas parfait, même si j'avais que 15 ans. Voilà que l'Église a décidé de faire ce choix, de donner de la place aux jeunes. Et c'est vrai qu'on peut dire, voilà, l'Église, les jeunes sont l'Église de demain, mais la réalité, c'est que les jeunes sont l'Église d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, à Collonges, on fait déjà pas mal de choses. On essaie d'intégrer les jeunes, comme aujourd'hui. Mais s'ils ont envie d'avancer, de découvrir des dons que Dieu met en vous, alors oui, tester des choses différentes. Vous pouvez aller aussi voir des responsables de certains départements. Peut-être ça fait peur, mais de demander, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans un département? Ou peut-être nous, on pourrait même organiser des choses pour laisser les jeunes découvrir un petit peu plus ce qu'on peut faire et pour servir et Dieu et l'Église. En tout cas, dans le livre de 1 Timothée 4, verset 12, il y a un message de Dieu pour les jeunes qui dit « Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. » Alors, pour que les jeunes puissent ne pas être juste des spectateurs qui ne trouvent pas leur place à l'Église, c'est à nous, les adultes, que Dieu nous envoie à ouvrir ce chemin pour eux, pour qu'ils puissent passer à être des acteurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Yeah.
Corinthiens 15, verset 58. Alors, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Alors, la prochaine présentation, on a pris quelques témoignages d'enfants et de jeunes qui servent dans l'Église. Alors, vous les voyez chaque sabbat, certains derrière les caméras, les musiciens, d'autres qui chantent. Il y en a qu'on ne voit pas, mais qui sont là et qui font des choses. Donc, je vous invite à découvrir leurs témoignages. Alors, Océane, en quoi est-ce que danser avec le groupe ici est pour toi une manière de servir l'Église ? Bah, pour moi, c'est que comme ça, les gens qui sont malades, bah, ça leur fait du bien. Et comme ça, on peut louer d'une autre façon Dieu. Comme ça, on ne chante pas tout le temps. Parce que ça montre la joie qu'on a à louer Dieu. Et en fait, ce que je voulais, c'était être pasteur pour aider l'Église. Je me sens bien quand je suis en train de faire ces choses pour Dieu parce que ça plaît à Dieu. Depuis que je suis venue ici, il y a beaucoup de choses géniales et je trouve que c'est bien. Alors Mira, tu viens chaque samedi à l'église du campus avec tes parents, c'est bien ça? Oui. Alors est-ce que tu fais quelque chose à l'église pour que... Est-ce que tu rends service aussi à la communauté à l'église? Bah, en fait, je fais de la flûte sur scène. Du coup, je suis avec les musiciens. Et aussi, c'est que, j'écoute la prédication et j'essaie de comprendre ce que je peux. Ok, donc ça te plaît. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer de la musique, non seulement chez toi, mais à l'église? Bah, à l'église, j'avais envie parce que j'aime bien l'église et voilà. Giovanni, en quoi est-ce que toi tu sers l'église? Quel est ton service que tu rends à l'église? Alors moi, mon service que je fais à l'église, c'est que je participe à l'orchestre de l'E2S. Cela fait tout juste un an. J'aime partager mon talent au sein de l'église. Le sabbat aussi, je participe au diaconat une fois par mois. On les dîmes et offrandes et j'aime cela. Et au passage, je remercie aussi les animateurs GIA qui partagent leur temps le samedi après-midi. Et j'aime cela et ça m'occupe le samedi aussi. Merci à vous. Le samedi matin, je chante ou joue du violon et j'aide parfois les animateurs bourgeons. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur et sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Moi, j'aimerais donner au Seigneur ma joie de vivre parce que je pense que c'est très important dans la vie. Alors, il y a une autre manière de servir, en plus de celle qui nous a été présentée, eh bien, c'est de participer avec nos dîmes et nos offrandes. Alors, je rappelle pour ceux qui sont dans la salle que eh bien, vous pourrez les donner à la sortie sur les corbeilles qui sont là. Et pour ceux qui sont derrière l'écran, eh bien, vous pouvez soit vous mettre en contact avec votre trésorier, soit, quand votre église s'ouvre, eh bien, de pouvoir le porter directement à l'église. Merci. Louer
Merci à cette espérance pour cette contribution. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à des moments, j'ai les larmes aux yeux. En tout cas, juste pour voir si vous suivez bien. Donc, on a vu que l'église, c'est un endroit où on vient louer, partager, et même quand on ne peut pas se rendre ici à l'église, on arrive à trouver le moyen de partager quand même à travers Zoom ou autre. On vient pour apprendre, pour y découvrir nos talents, pour servir. Et maintenant, nous allons passer à la sixième partie, la transmission. Qu'est-ce qu'on vient transmettre ? Aujourd'hui, je vais vous lire le verset qui se trouve dans Actes 5, verset 42. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il continue à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Messie. Quand on parle de transmission, je me suis dit, je voudrais faire un hommage à toutes ces personnes qui sont là, qui viennent passer du temps, donner leur temps, leur talent pour transmettre des choses aux plus jeunes. Donc je vous invite à écouter ces témoignages qui sera suivi après par une petite surprise. Alors Arthur a déjà 2 ans et demi et ça fait déjà 2 ans qu'il va à l'école du sabbat des chatons. Et il observe beaucoup et c'est vrai qu'à la maison, chaque fois, il nous raconte ce qu'il fait. C'est vraiment très chouette et rigolo parfois. Tu aimes aller aux chatons, Arthur ? Ah. Alors, en ce sabbat spécial, on voudrait dire merci à Alima, merci à Irène, merci à Florina, merci à Raquel, merci Karine, merci pour toute votre imagination. Et c'est vrai que c'est chouette de savoir qu'il y a cette perspective que Arthur, comme nous on l'a fait, de participer plus tard au bourgeon, au tison, aux explos, à la chorale. Voilà, à l'orchestre peut-être. Voilà, donc nous c'est vrai que le samedi c'est la petite cerise sur le gâteau entre tout ce qu'on vit dans la semaine avec Dieu, mais le samedi c'est la petite cerise sur le gâteau. Merci. Merci à vous. Bonjour. Aujourd'hui c'est sabbat et j'aimerais remercier les animateurs parce que ils nous apportent tous les jours. Ils nous apportent les tisons et les super tisons. Ils sont toujours là avec nous et ils nous apportent la joie de vivre et ils nous apportent, ils nous apprennent beaucoup de choses sur Jésus et j'aimerais les remercier pour ça. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Timéa, j'ai 19 ans. Je suis arrivée à l'église de Collonges en 2005. J'ai eu la chance d'avoir des animateurs impliqués qui m'ont aidée à m'intégrer. Effectivement, en fait, je ne parlais pas français et mes parents non plus. Donc, commençant par les bourgeons, j'ai petit à petit pris confiance en moi grâce à Valérie Roland qui insistait que je vienne chaque sabbat aux activités le matin et l'après-midi. C'est là que j'ai commencé à aimer les histoires bibliques, ces histoires racontées d'une telle manière que je n'avais pas besoin de connaître le français pour les comprendre. À mon passage au Tison, ça a été un véritable coup de foudre. Donc, des animateurs très souriants et à l'écoute. C'est une période de développement spirituel très importante. Aux Explos, j'ai commencé à prendre conscience de tout ce que l'on m'a appris. Et c'est là qu'on a l'occasion de tout mettre en pratique. C'est à ce moment qu'en général, on fait le choix de devenir animateur. Donc, il y a 2 choses importantes dans mon parcours à l'église, la GIA et la musique. J'ai appris à louer Dieu de 2 manières différentes. J'encourage à s'engager, à transmettre la belle vie qui est celle avec Jésus et à devenir animateur parce que c'est une expérience qui enrichit. C'est comme Jésus l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce sont plein de bons moments remplis de joie et de partage. Je trouve que c'est important de s'engager pour que les valeurs qui nous ont été transmises ne se perdent pas. Et donc je suis vraiment très reconnaissante envers cette église qui propose de nombreuses activités pour les jeunes. Thank you.
une représentation à l'instant T de tous ceux, en grande partie, qui sont impliqués auprès des jeunes. J'avais plus de 70 photos. Donc merci à vous tous. Et il y a encore plus de personnes qui contribuent, tous ceux qui sont au diaconat, tous ceux qui sont à la technique. Je veux dire, il y a toute une armée de personnes. Et même le simple fait de faire un sourire des fois aux enfants, de leur adresser la parole, tout ça fait partie de votre service auprès des jeunes. Donc merci à vous tous et merci à tous ceux qui dans le passé aussi l'ont fait et qui sont passés à autre chose maintenant. Bonjour. Récemment, j'ai écouté une musique que j'ai beaucoup et j'écoutais beaucoup de fois. Pour la première fois, j'ai fait attention aux paroles et c'est bizarre parce que je me suis reconnue dedans alors que je n'y faisais jamais attention. Les paroles demandaient tout simplement à Dieu qu'il puisse nous aider à briller pour lui, qu'il puisse nous aider à parler de son amour, même si parfois c'est difficile de parler. Je me suis reconnue dedans parce que parfois, étant jeune, on pense que c'est difficile de parler, on pense que c'est même impossible. Genre, comment témoigner de l'amour de Dieu ? Et vers ce moment-là, quand je me suis posé cette question, j'apprenais encore ce qu'était réellement prier. Et en fait, prier, c'est juste parler avec un ami. C'est juste parler avec Dieu. Du coup, j'avais trop de choses à lui dire. J'avais vraiment besoin de lui parler. J'ai compris après. Je me suis demandé et j'ai demandé aussi à Dieu qu'il puisse m'aider à prier pour les autres, qu'il puisse m'aider à témoigner son amour, même sans mots, parce que des fois, c'est juste dur de parler. J'ai commencé à faire des langages des signes sur des musiques. D'ailleurs, il y a ma mère qui en a posté une sur Facebook. Il y a tout plein de personnes qui ont commencé à commenter, qui ont commencé à vouloir la partager parce que ça les avait beaucoup touchées. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris que Dieu m'avait donné une réponse. Thank you.
Quand on est petit, on ne se sent pas vraiment concerné par le culte et on joue tout le temps. Moi, je ne comprenais pas ce que les pasteurs racontaient, mais aujourd'hui, j'aime aller à l'église parce que cela m'intéresse. Je peux apprendre à mieux connaître Dieu et à être en relation avec lui. À l'église, je me sens libre et je me sens chez moi. Mais qu'est-ce que c'est l'église ? Pour moi, quand j'étais petite, l'église, c'était que le bâtiment. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ce n'était pas seulement le bâtiment, c'était surtout nous tous. L'église, c'est une grande famille, depuis la technique jusqu'à celui qui me regarde sur Internet. C'est notre maison à tous. Et c'est aussi l'endroit pour louer tous ensemble celui que nous aimons. Moi-même, j'ai décidé de me faire baptiser et d'appartenir à cette grande famille. C'est l'école de la vie. Cette famille nous voit grandir et apprendre à découvrir Dieu, avancer avec lui. Dans cette image, on voit l'Église laver les pieds du monde, ce qui veut dire qu'on doit être au service des gens pour les aider et pour que l'Église s'épanouisse, pour accomplir la mission que Dieu nous donne. En tant qu'Église, Dieu nous invite à nous aimer les uns les autres et aussi ceux qui ne font pas encore partie de la famille de l'Église. Il nous invite à avoir nos portes grandes ouvertes, comme dans l'image, et à faire du bien aux autres. Tous sont les bienvenus et il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour venir à Dieu. Jésus dit en Matthieu 19, versets 14 et 15, « Laissez les enfants, les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et partit de là. Jésus dit donc, « Laissez les enfants venir à lui. » Nous pouvons tous servir Dieu et se rendre utiles avec les choses qu'on aime faire. Par exemple, je me rends utile quand on a besoin de moi à la caméra. Ce qui est génial, c'est que tout le monde peut se sentir à sa place et aider avec ses connaissances. Par exemple, en étant animateur, technicien, chantre ou encore en lisant des versets bibliques. Nous pouvons tous être comme des enfants et venir à Dieu avec un cœur pur. Se donner entièrement à lui et se mettre au service des autres en les aimant. Voilà ce que devrait être l'Église. Maintenant, je vais vous proposer de lire 1 Jean, versets 4 à 9, versets 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce qui Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Recevons la bénédiction qui se trouve dans le livre d'Éphésiens. On peut se lever. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aime notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen.